When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée de Restin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous allons passer avec vous une trentaine de minutes sur les ondes de la radio Respiration FM. Avant que nous commencions, j'aimerais bien vous signaler une chose importante. Eh bien, je vous le dis sincèrement que vous pouvez nous trouver live quand nous ne travaillons pas dans la vie quotidienne. Tous les dimanches matins, vous aurez à partir de 7h du matin 3000, toute l'actualité de l'église. Tous les dimanches matins à partir de cette semaine, suivez 3000, toute l'actualité de l'église, tous les dimanches matins sur les ondes de la radio Respiration FM, sur le www.respirationplus.com. Et sur un numéro de téléphone, c'est le 213-493-0167. Tous les dimanches matin, dès 7h, vous aurez 3000 et le message de la parole de Dieu. Et peut-être c'est un service que nous allons retransmettre. Autre chose importante qu'il faut retenir, quand nous ne sommes pas occupé dans les affaires quotidiennes, eh bien, vous allez nous retrouver et tous les jours à partir de minuit pour ma journée. Et ça commence à minuit. À minuit live, vous allez nous retrouver à minuit live pour 30 minutes en ce qui a trait à la diffusion de ma journée. Et quand nous sommes pas trop occupés dans les affaires quotidiennes, eh bien, vous allez nous retrouver et tous les midi 30, tous les 8h30, à toutes ces heures-là, vous allez nous retrouver live. Et vous commencez cet après-midi, ma journée, vous allez écouter une jolie chanson de nos Fun to Dread, Prince of Peace. Prayers up to the sky. I take
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Dans un instant, les titres qui font à Jules à l'échelle mondiale. Actualité mondiale aujourd'hui, affrontement diplomatique entre États-Unis, Russie et sur la Syrie. Au Venezuela, c'est martyr contre martyr. Et lecture recommandée, subir le racisme provoque-t-il un vieillissement précoce? Garde l'antenne dans un instant, juste après la réflexion du jour, vous aurez le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Voici sa parole pour aujourd'hui.
Lundi 17 février. Mettez à jour votre GPS. Que t'importe ? Toi, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 22. Êtes-vous l'un de ces nombreux privilégiés de la route dont la voiture est équipée d'un GPS, ce merveilleux petit outil qui nous permet de suivre la bonne route sans trop faire d'erreur ? Une femme disait l'autre jour à une amie qu'elle devait la survie de son mariage au GPS qu'il venait d'installer dans leur voiture. Sans lui, elle n'aurait pas pu continuer à supporter les sautes d'humeur et les jérémiades de son mari chaque fois qu'il essayait de lire la carte routière posée sur le volant. Sans compter les enfants ravis du calme qui régnait à présent dans la voiture et qui se sentaient soulagés de savoir que le voyage allait se passer sans dispute. S'il était aussi facile de se diriger dans la vie. Quand Pierre a demandé à Jésus ce qui arriverait à Jean, le maître ne lui a donné aucune réponse précise. Il ne lui a demandé que de lui faire confiance. Le destin de chacun des deux disciples était simplement entre ses mains. Chacun devait obéir à l'appel de Jésus et accomplir la tâche qui lui était confiée. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le destin des autres, encore moins par leurs choix ou leurs opinions. À chacun d'entre nous, Jésus dit simplement « Suis-moi ». Il ne nous abandonne pas pour autant au milieu du chemin sans nous fournir un itinéraire à suivre. Comme pour le GPS, vous connaissez la destination finale, mais vous ne connaissez pas les étapes à parcourir. Vous ignorez les détails du chemin, car la feuille de route est le secret de Dieu. Il vous suffit d'écouter les indications qu'il vous donne au fur et à mesure que vous avancez, indications que vous recevez de diverses façons. Premièrement, vous pouvez les lire comme sur l'écran du GPS. C'est la parole de Dieu qui dévoile devant vos yeux la conduite à adopter chaque jour. Deuxièmement, vous pouvez les entendre résonner en vous quand l'Esprit du Seigneur vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Tu entendras derrière toi ces paroles « Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche » Ésaïe chapitre 30, verset 21.